Yo les gars, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Fortnite où on va voir un nouveau glitch XP. Et vous allez voir que cette fois-ci, c'est pas en mode créatif, ça va être en partie publique. Vous allez voir que ce glitch il est vraiment incroyable et il est vraiment très facile à réaliser. Donc là, tout ce que vous allez faire, vous allez lancer une partie en solo et je vais tout vous expliquer en partie ce qu'il faut faire. Donc voilà, vraiment, vous allez voir, c'est très facile. Mais avant voilà, de commencer le glitch, voilà, pour tous ceux qui veulent me soutenir dans la boutique d'objets, n'hésitez pas à mettre mon code créateur dans la boutique, ça me ferait extrêmement plaisir et ça permet de soutenir la chaîne. Donc vraiment, merci à tous ceux qui le mettront, ça fait plaisir. Donc du coup, on se retrouve tout de suite en game pour que je vous explique le glitch, c'est parti. Ok les gars, donc là, une fois que la partie s'est lancée, vous allez tout simplement aller à Covered Cavern. Donc tout simplement, vous allez passer par l'arrière. N'allez pas surtout par le passage de du toit par exemple, voilà, juste ici. Il faut vraiment aller derrière, vous allez comprendre pourquoi. Puisque vraiment, en fait, le but c'est d'aller au coffre-fort. Donc vraiment, vous allez voir qu'il y a un défi en fait qui permet à chaque fois, quand vous allez ouvrir des coffres forts, vous allez gagner 8000 XP. Donc à chaque fois, ça va être 5, 10, 15, 20. Sauf que à chaque fois, on va pas les ouvrir, mais on va tout simplement faire comme si on les ouvrait. Donc en fait, le jeu va comprendre que vous avez ouvert les coffres. Et donc à chaque fois, vous allez compléter le défi et gagner 8000 XP. Donc vraiment, ça va être incroyable. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Vraiment, c'est très facile. Donc là, tout simplement, ce que vous faites, c'est que bah, vous passez par ici. Voilà, tout simplement, vous rentrez. Là, on va essayer de pas se faire tuer puisque on n'est pas équipé. Donc là, voilà, on va récupérer une arme au cas où. Donc là, vous prenez une arme, voilà, tout simplement. Et là, ce que vous allez faire comme moi. Donc là, vous me suivez vraiment, vous faites exactement comme moi. Là, vous sautez, vous allez en bas. Hop là, vous allez ici. Voilà, vous fermez la porte, vous mettez bien en sécurité. Bon, là, on n'a pas de build. Et là, ce que vous allez faire, c'est qu'à chaque fois, vous allez mettre des sprays. Et en fait, un spray, ça, pour le jeu, c'est comme si vous allez ouvrir un coffre. Donc vraiment, vous allez voir que là, on va gagner 8000 XP. Vous voyez, hop là, j'ai complété un défi, ouvrir des chambres fortes. Donc vous voyez que j'ai gagné 8000 XP. Donc à chaque fois, vous spammez, vous ouvrez. Bon après, il y a sûrement quelqu'un qui va venir pour vous tuer. Puisque, bah voilà, le coffre, il va bien finir par s'ouvrir au bout d'un moment. Donc voilà, il faudra se fighter. Mais moi, là, bon, j'ai pas le son du jeu, donc je pourrais pas entendre. Mais vous voyez qu'à chaque fois, je gagne 8000 XP. Donc à chaque fois, vous faites des sprays. Et vous allez gagner 2 XP. Donc vraiment, c'est à 50. Vous voyez, 20 sur 20. Ici, on regagne 8000 XP. Donc vraiment, c'est fou. Hein. Vraiment, le glitch, il fonctionne très bien. Vraiment, c'est pas compliqué. Donc en fait, un spray égale une ouverture de coffre. Donc vraiment, c'est très facile. Donc, vous voyez que vraiment, voilà, il n'y a rien de compliqué. Hein. Vous allez en solo. Le coffre, il n'y a pas beaucoup de monde qui va venir tout de suite. Étant donné qu'il faut la carte. Donc tant qu'ils n'ont pas la carte, ils viendront pas. Sauf ceux qui connaissent le glitch. Là, ils voudront venir pour justement faire le glitch. Et vraiment, là, le glitch, à l'heure où je le fais, il n'est pas encore connu. Donc forcément, il y a vraiment très peu de personnes qui le font. Et après, bon, au bout d'un moment, si il est connu, après, bon, il y aura du monde qui vont venir. Donc là, vous voyez, 35 coffres ouverts. Hein, donc vraiment, 8000 XP. Vraiment, c'est à chaque fois incroyable. Hein. Donc voilà, à chaque fois, faut spammer tout le temps comme ça. Et vous voyez qu'on va gagner, voilà, 40 sur 40. C'est vraiment incroyable, hein, vraiment, ce glitch. Après, peut-être qu'au moment où vous allez voir la vidéo, il sera patché. C'est possible. Peut-être qu'Epic Games seront très réactifs. Et ils vont patcher le glitch très rapidement. Donc voilà, faites vraiment attention. Si vous voyez que ça marche plus, c'est qu'il a été patché tout simplement. En tout cas, jusqu'à maintenant, bah, il n'a pas été patché. Donc vraiment, profitez-en. Vous voyez, 50 coffres ouverts. Donc vraiment, c'est incroyable. Vous voyez que là, je gagne encore 8000 XP. Et voilà, accomplir 10 phases de quête d'étape. Voilà, donc j'ai gagné 20000 XP en plus. Voilà, c'est vraiment incroyable. En plus, vous complétez un autre défi en même temps. Vous voyez, là, je suis à 55. Donc vraiment, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont venir les autres pour me tuer. Donc tant qu'ils n'ont pas tué le boss, de toute façon, ils viendront pas de toute façon. Voilà. Donc vraiment, là, vous êtes tranquille pendant un long moment. Vous voyez, donc là, je suis à 60. Donc bon, je vais m'arrêter. Je pense que vous avez compris bah, comment on devait faire. Là, vous voyez que ça marche tout le temps. Donc voilà, à chaque fois, tout simplement, bah, vous faites voilà, des sprays comme ça. Vous faites des sprays. Et à chaque fois, vous allez gagner de l'XP. Donc vraiment, profitez-en avant que ce soit patché. Puisque ça risque d'être patché très rapidement. Hein, vraiment, ça, je pense pas qu'ils vont le laisser très longtemps. Donc voilà, vraiment, profitez-en. Nous, du coup, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine. Bye.